Ok, bien bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus. Donc, dernier cours qui va faire un petit peu une revue de tout ce qu'on a vu dans des contextes un peu appliqués et notamment très orientés vers la synthèse de molécules un peu plus complexes et puis aussi une ouverture vers d'autres méthodologies qui sont apparues récemment dans la littérature. Et donc, plus particulièrement, on va finir en fait ce qu'on avait vu sur le photoredox nickel, enfin la catalyse duale photoredox nickel. Notamment, on va parler des alkyles silicates, qui est un des outils qu'on a développé, en montrant aussi ce qu'ils apportent par rapport aux autres partenaires. On va parler un tout petit peu de couplage alkyle-alkyle, qui est quelque chose qui est vraiment en recherche active actuellement. Donc, on va parler de complexité moléculaire, avec des réactions de polycyclisation, des processus de polycyclisation, différentes stratégies. On va avoir des produits naturels. Et puis à la fin, je terminerai par une chimie qui est émergente depuis environ une bonne dizaine d'années, qui est vraiment l'utilisation du radical H point dans un contexte synthétique. Alors en fait, c'est des travaux assez anciens, mais qui ont vraiment connu une explosion récemment. On va passer aux alkyles silicates. Donc, on avait présenté ce principe de la catalyse duale la semaine dernière, où l'idée, c'est qu'on a un nucléophile précurseur de radicaux et un électrophile, généralement un bromo, un iodo-ARN, voire un chloro-ARN, même si c'est beaucoup plus rare. Et donc, on met deux catalyseurs, un photocatalyseur et un complexe au nickel, et on arrive à rentrer ce radical ici sur cette aromatique. Donc en fait, globalement, c'est vraiment un cross-coupling classique, sauf que le groupement R est un groupement alkyle et non pas un groupement aryle. C'est la différence principale, par exemple, avec les couplages au palladium, où on est généralement en CSP2. Et donc l'intérêt des groupements alkyle, je l'avais dit, mais je le redis, c'est qu'on ouvre des espaces au niveau des molécules complètement différents, puisqu'on peut greffer différents types de fragments. Et donc les silicates ici qu'on avait développés sont des très bons partenaires pour ces couplages, parce que d'abord leur potentiel d'oxydation est très bas, et principalement d'ailleurs, ils permettent d'introduire des groupements alkyles peu fonctionnalisés, voire même des chaînes, par exemple, alkyles totalement non fonctionnalisées, et donc c'est vraiment les meilleurs pour ça. Alors pourquoi parfois c'est intéressant d'introduire des groupements alkyles peu fonctionnalisés? Vous pouvez aussi avoir par exemple un matériau organique polyaromatique, peu soluble, et finalement ça c'est une bonne façon de le solubiliser, par exemple en introduisant une chaîne alkyle. Mais on peut aussi imaginer introduire ici des groupements oxygénés, et ainsi de suite, donc on a une fonctionnalisation qui est assez ouverte. Donc réaction assez générale, dont je montre aussi le scope, alors donc ça c'est des travaux de 2015-2016, donc là en rouge en fait, juste on a fait varier les silicates, différents types de silicates primaires, mais aussi plus stabilisés comme le benzyl ou allyle, alpha-amino, et puis aussi les aromatiques qu'on peut engager. Et là, vous voyez qu'on a une grande liberté, parce que ça peut être des aromatiques riches, voire très riches, ou plus pauvres, comme cette quinoléine ici, donc des hétérocycles appauvris, ou ce thiophène. Et globalement, les rendements sont très semblables. Donc on peut aussi alkyler une pyridine, ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui est globalement assez solide comme outil. Je devrais dire aussi que donc, les conditions opératoires sont particulièrement simples. On n'est pas obligé d'utiliser le nickel 0 code. On peut utiliser un précurseur de nickel 2, ce qui simplifie énormément les choses et qui va pouvoir se réduire dans les conditions de réaction. Donc en fait, c'est la première étape du cycle. Donc au niveau du mécanisme, alors c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est toujours en débat. Et nous, on vient de publier ce que l'on propose être le mécanisme. Il y a des alternatives, mais globalement, on reste sur cette idée que pour l'instant, on va faire une addition oxydante sur le nickel 0 pour former un complexe de nickel 2, sur lequel s'additionne ce radical pour former le nickel 3. On a une élimination réductrice qui libère le produit de couplage. Le nickel 1, lui, est réduit grâce au cycle de photorédox qui lui donne un électron via l'iridium 2. Cet iridium 2 venant de l'oxydation du silicate par l'iridium photoexcité. Donc, globalement, ce cycle-là, on en est quasiment sûr. Celui-là, comme je vous disais, il y a d'autres possibilités. Une autre possibilité, c'est qu'on additionne par exemple le radical ici pour former un nickel 1, puis qu'on fasse l'addition oxydante. On va d'ailleurs voir d'ailleurs des travaux qui proposent ça. La raison pour laquelle on reste pour l'instant sur ce schéma, même si les deux peuvent cohabiter, et ça c'est très important, parce qu'il y a eu des calculs qui ont montré qu'en fait les deux
au niveau chemin étaient très très semblables. C'est que par exemple, si on prend le complexe d'addition oxydante du nickel 2 et qu'on engendre un radical dans une voie complètement différente, on prend ce peroxyde qui est le lauryl peroxyde, on se met en condition thermique, ça va le cliver ici et on va former la grande chaîne alkyl. Donc on forme le radical C ici. On voit qu'on a le produit de couplage correspondant avec un rendement tout à fait correct. Donc ce complexe-là est tout à fait apte à recevoir un radical et à faire l'élimination réductrice. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est d'étudier les alkyles nickel 1, faire les additions oxydantes et ainsi de suite dessus. Mais là, c'est, les alkyles nickel 1 sont un petit peu plus, on va dire, difficiles à manipuler, ils sont beaucoup moins stables. Et puis là, je montre une RPE de l'iridium 2 qui n'avait jamais été caractérisée. Et ce spectre, alors il y a le spectre expérimental en rouge et le spectre simulé en bleu. On est toujours obligé de faire une simulation en RPE pour interpréter. Et la valeur du G ici est très suggestive qu'en fait l'électron non appareillé est sur le ligand BP. Donc ce iridium 2 a un ligand, a un électron ici qui est vraiment sur le ligand, et donc c'est plutôt de type radical anion. Alors, autre chose qui était intéressante quand on a commencé ces travaux et qui est maintenant devenue complètement banale, mais malgré tout je le répète, c'est que si on peut évidemment faire la même chimie sans iridium, c'est mieux. L'iridium, c'est un métal très cher, très rare, et autant l'utiliser pour des choses où il est vraiment strictement utile. Ici, on peut utiliser ce type d'organophotocatalyseur, ce 4-césal-IPN, initialement, alors baptisé sous ce terme-là et utilisé par Adachi, pas du tout dans un contexte de catalyse photorédox, mais dans un contexte de faire des OLED. Et donc, c'est des molécules très intéressantes qui ont des propriétés de luminescence particulières parce qu'en fait, elles ont un état triplé très proche de l'état singulé. Et donc, on a un basculement des populations qui fait qu'elles ont une fluorescence très longue. Donc, c'est ce qu'on appelle le Thermally Activated Delayed Fluorescence, donc TADF. Et donc, ces molécules particulièrement... avec un gros potentiel applicatif, mais pas dans la photocatalyse. Quand on a commencé ce travail, il y avait un papier de Zhang dans le Nebraska qui l'avait utilisé comme photocatalyseur. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il est particulièrement intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, son temps de vie à l'état excité est extrêmement long. On est vraiment dans la microseconde. Et par ailleurs, on a aussi un état excité, particulièrement oxydant. Donc on peut faire exactement la même chimie que ce que je vous ai montré tout à l'heure. On peut piéger par le tempo un radical, mais on peut aussi faire de la vinylation, enfin de l'addition conjuguée, de la vinylation, de l'alkynylation, et donc c'est ce genre de réaction marche strictement de façon identique. Et on peut aussi faire les couplages alkyl carbone sp2. Ici on l'a montré plutôt sur de la vinylation, ce qui changeait un petit peu le type de réactivité qu'on pouvait faire. Donc, on construit ce type de liaison. Les oléfines, faire des oléfines de façon stéréo-contrôlée est toujours un défi. Et notamment, là, on peut arriver à ces molécules. On peut substituer de façon très stéréo-sélective un chlore ici. Et donc, arriver à ces oléfines totalement stéréo-contrôlées, et donc qui sont très substituées. Donc, les chlorures ici, les vinyles chlorures réagissent plutôt bien. Alors évidemment, on aurait voulu aussi substituer le chlore qui est ici, mais pour l'instant, la deuxième alkylation, elle se révèle un petit peu plus compliquée. Par contre, on peut l'engager dans un couplage au palladium, ce vinyle chlorure. Et là, ça marchera. Voilà, donc ça, c'est des réactions qui sont tout à fait faisables et envisageables. Et donc, vous savez aussi qu'on est toujours à la recherche de photocatalyseurs et pourquoi pas aussi aller vers des matériaux qu'on pourrait recycler, et donc, par exemple, des matériaux hétérogènes, d'où ce composé nitrure, carbon nitride, mésoporeux, fabriqué dans le laboratoire de Marcus Antoniotti au Max Planck à Potsdam, qui est globalement un photocatalyseur hétérogène. Donc là, c'est un semi-conducteur qui, sous irradiation, va créer en fait va avoir un électron expulsé et en même temps créer un trou, mais qui permet par exemple de faire ce couplage dual ici de la même façon avec un certain degré de recyclage. Je dis bien avec un certain degré de recyclage parce que globalement, après 5 runs, on commence à avoir quelque chose qui a un matériau qui commence à être un petit peu altéré. Mais bon, il y a quand même pas mal de travaux dans ce sens-là. Alors,
Une chose que les méthylsilicates biscatellato ne faisaient pas, c'est d'utiliser le radical méthyl. Étonnamment, on n'arrive pas à avoir de réaction intéressante avec ces composés-là. C'est pas sur la base des potentiels, parce que les potentiels sont tout à fait bons. Ils sont inférieurs à 1 volt, mais a priori, la rupture de liaison carbone-silicium est un petit peu compliquée. Et il se trouve qu'on avait un intérêt dans d'autres types de composés du silicium, et notamment ces silicates ici qui résultent en fait de l'addition d'un nucléophile sur un spirosilane, particulièrement acide de Lewis. Et globalement, on arrive à former ces silicates. On va l'écrire plutôt de façon comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Et donc, le centre ici, on a une géométrie spiro ici. Et donc, on a une acidité Lewis assez forte sur le centre du silicium. Et donc, un grand nombre de nucléophiles s'additionnent sur ce silane pour former les silicates correspondants avec cette géométrie ici, où on a globalement une TBP. Et notamment les groupements ici électronégatifs qui sont en position apicale. Et donc la question était de savoir est-ce que ces composés-là peuvent être aussi des dérivés de radicaux et les oxyder. Alors il y avait deux choses. Il y avait une chose qui était la littérature, on va dire, allait dans le sens où on pouvait effectivement utiliser ces dérivés, mais que leur potentiel d'oxydation était assez élevé. Et puis l'autre problème se posait quand même, le problème du silane qui est libéré après oxydation, parce que là, du coup, au niveau économie d'atomes, il est quand même relativement, c'est quand même assez peu satisfaisant. Mais par contre, on peut le recycler, ce silane. En fait, il se trouve qu'on peut, si on fait sur assez grosse échelle, a priori le retrouver. Donc globalement, on a pu engager le méthylsilicate ici dans des couplages dual avec donc un photocatalyseur et un complexe de nickel. Maintenant, si vous regardez bien, on est parti sur d'autres types de photocatalyseurs beaucoup plus oxydants, hein, à 2,8 volts, donc c'est des acridiniums de Fukuzumi Nicevitz. Alors eux, ils ont une durée de vie à état excité qui est très courte, mais par contre, ils sont très oxydants. Et donc, ils vont être propices pour ce type de dérivés. Et on a été aussi obligé de changer le système du nickel en mettant des ligands plus robustes, et notamment des ligands de type bateau-phénantroline, qui permettent en fait qui ne sont pas oxydables et qui sont des bons ligands du nickel. Et donc avec un phényl ici. Voilà. Donc ces ligands complexes bien nickel et permettent de faire ces couplages. Alors l'intérêt de ça par rapport à d'autres systèmes, parce que alors d'abord pourquoi c'est intéressant d'introduire un méthyl, et donc quand je mets le magic méthyl effect, c'est que globalement beaucoup de médicaments, si vous changez un site, un hydrogène par un méthyl, vous pouvez complètement booster une activité biologique. Donc ça c'est quelque chose qui est assez connu. Et aussi ce qui est intéressant, c'est de pouvoir introduire des isotopes, notamment des deutériums en certaines positions. C'est-à-dire que vous avez un médicament avec un méthyl, mais si maintenant vous mettez un CD3, ou vous mettez un seul deutérium ou deux deutériums, vous allez changer le métabolisme de ce médicament de façon assez importante. Donc par exemple, ça c'est un anti-inflammatoire qui est connu, là, le celecoxib. Le méthyl est sur la molécule, on va dire, commerciale, mais là on a pu introduire un seul deutérium sur ce dérivé, uniquement parce qu'en fait, en partant du produit de départ ici, on peut avoir toute la gamme des isotopes. On peut avoir le CD3, le CH2D, le CD2H, et on peut aussi avoir le carbone 13 marqué. Et donc, on peut sélectivement en fait, introduire ces méthyls deutérés ou pas. Donc, c'est intéressant. Et là, pour ça, ce réactif devient particulièrement intéressant parce que la plupart des autres versions ne permettent pas d'avoir cette sélectivité dans l'introduction des isotopes.
Alors, il y a aussi une question qui était importante, parce que pour l'instant, je vous ai montré que du carbone SP2, carbone SP3. Est-ce qu'on peut faire aussi du carbone SP3, carbone SP3, qui est aussi finalement quelque chose de particulièrement, on va dire, enviable pour la synthèse, et ça serait une autre disconnexion. Alors donc on a regardé les silicates. Alors les silicates ici, on peut faire le produit de cross-coupling. On introduit le silicate ici comme nucléophile, on a ça comme électrophile. Mais en fait, comme vous voyez, les rendements sont particulièrement modestes. Et surtout, on a toujours été gêné par ce produit d'homocouplage. Donc c'est typiquement ici, on est particulièrement ici victime d'un mécanisme qui n'est pas complètement maîtrisé. Et on a des transferts électroniques qui nous conduisent à ce produit d'homocouplage. Je vais vous montrer maintenant une version de couplage alkyl-alkyl ici qui s'avérait un petit peu plus, on va dire, puissante, même si elle repose sur une analyse différente. Et donc, c'est ces travaux de Macmillan. Donc, en fait, ici, c'est une catalyse triple. Donc, l'idée, c'est qu'on parle d'un... Vous voyez, on parle de ce Prozac N-bokeh. Et on va le fonctionnaliser pour introduire cette grande chaîne alkyle ici. Donc en fait, le méthyle qu'on fonctionnalise, c'est celui-là. Et là, on va mettre trois composantes, donc trois catalyseurs. Tout d'abord, le catalyseur nickel, la quinucléine et un photocatalyseur. Un électrophile, un peu de base, le solvant et des LED bleus. Et alors, donc comment s'enchaînent ces trois cycles catalytiques? Donc là, jusqu'à présent, on avait vu deux, maintenant il y en a trois. Donc la première chose, c'est qu'il faut engendrer le radical ici, alkyl, qui va faire le couplage. Alors, le mécanisme que je vous montre est avec cet radical alpha-amino, mais c'est strictement la même chose qui se passe ici. Hein. Okay, donc c'est pareil. Donc globalement, on oxyde la quinucléine, on fait le radical cation. Ce radical cation est un arracheur d'hydrogène, ça on l'a vu déjà, très fort. Il va en fait prendre donc un hydrogène sur le dérivé alpha-aminé, ça c'est notre sous-produit, qui peut éventuellement être. Enfin, ça c'est le produit de départ, pardon, et on arrache l'hydrogène là-dessus. Et ensuite, on forme l'ammonium qui va se déprotoner et ça réengendre la quinucléine. Ce radical, lui, va en fait réagir avec le nickel. Là, dans ce cas-là, on va l'additionner sur le nickel 0 pour faire le nickel 1. C'est l'alternative dont je vous avais parlé tout à l'heure. Et on fait l'addition oxydante après. Mais en fait, ici, on fait une addition oxydante d'un alkyl bromure, a priori plus lente. Donc on peut concevoir cet ordre des choses. Il n'y a pas eu d'élément apporté sur ce mécanisme au nickel. Néanmoins, on passe par un nickel 3, on fait l'élimination réductrice, on réengendre un nickel 1 qui est réduit par l'iridium 2 qui est formé de l'oxydation de la quinucléine. Donc c'est pour ça que ça tourne. Donc, l'intérêt ici, c'est que, évidemment, on part d'un précurseur CH. C'est-à-dire, on n'a pas un précurseur fonctionnalisé, on n'a pas un halogène ici ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, on profite de la liaison carbone-hydrogène. La limitation, c'est qu'il vous faudra toujours une liaison carbone-hydrogène particulièrement activée, c'est-à-dire généralement en alpha d'un oxygène ou d'un azote. Mais sinon, ça ne marche pas. Donc, il vous faut une CH assez, on va dire, hydridique, avec un fort caractère hydrure, pour réagir avec ce radical cation. Mais néanmoins, c'est une stratégie qui peut être intéressante, surtout quand on a affaire à des molécules fonctionnalisées. Alors, on va quitter un petit peu la catalyse duale, la catalyse triple, et on va revenir sur ce que la chimie radicalaire aussi apporte et pourquoi elle a eu tant de succès, c'est sur la facilité de faire des réactions de cyclisation. Et il y a 40 ans, ce qui est à la fois très long et finalement assez court, il y avait la première synthèse de l'hirsutène par Curran. Très belle synthèse parce que très emblématique, où on part d'un précurseur de ce type-là, relativement facile à faire. La stéréochimie ici est faite de telle façon qu'elle conduit directement au produit naturel et donc en deux étapes. Première cyclisation, deuxième cyclisation, on arrive à ce sesquiterpène naturel, bon, qui n'a pas un intérêt d'ailleurs au niveau biologique phénoménal. Mais par contre, on montre ici, on illustre bien le pouvoir synthétique puissant des cyclisations radicalaires. Juste quelques années après, on a pu passer à des précurseurs beaucoup plus fonctionnalisés. Et dans ce cas-là, Curran s'est appuyé sur la chimie du samarium I2,
pour synthétiser l'hypnophiline, qui est ce trichinal naturel, comme vous le voyez, lui, un petit peu plus oxygéné. Et généralement, plus on a d'oxygène, plus les propriétés biologiques sont exacerbées. Et dans ce cas-là, en fait, c'est le même genre de tandem, même idée. 1,5-hexo-trig, puis ici, 1,5-hexo-dig. Et par contre, le samarium, on l'a vu, est un puissant donneur d'électrons. Donc, on va former ce radical cétyl qui cyclise, et ainsi de suite. Donc, ça, c'était des cas qui étaient particulièrement intéressants. Le substrat ici est fonctionnalisé, pré-fonctionnalisé pour conduire directement pratiquement au produit naturel. D'une façon générale, l'idée a été de challenger un peu ces cyclisations radicalaires et savoir est-ce qu'on peut partir de produits très simples et arriver à des choses relativement, on va dire, intéressantes ou élaborées. Donc il y a plusieurs types de stratégies. On peut former un trichinane ici, par exemple, par une cascade zipper, donc un radical ici qui s'éclise une première fois, deuxième fois, troisième fois, et on obtient ça. Il y a eu des réactions comme ça avec le palladium hein, dans les années 80, où on fait d'abord une réaction transannulaire, et puis ensuite le radical, on va dire, recoue tout à l'intérieur, ou l'étape, ou la stratégie round trip, où c'est vraiment aller-retour, on part d'un radical ici, et le dernier, et on finit avec un radical ici qui s'additionne sur cette double liaison, donc d'où l'idée de faire un aller-retour pour faire ça. Alors ce genre d'approche marche assez bien, surtout si vous êtes dans le cas des cycles A5. Le problème ici, par exemple, Beckwith a montré qu'on peut obtenir un trichinane comme ça, qui est a priori un squelette de produit naturel, mais comme vous voyez, pas de fonctionnalisation, pas de stéréosélectivité, finalement le rendement n'est pas non plus extraordinaire. Et là, c'est une stratégie round trip ici, et c'est pareil, globalement, il n'y a pas de stéréosélectivité. Donc il va falloir quand même élaborer des systèmes un peu plus costauds. Alors celui-là est intéressant, parce que c'est bien une cascade round trip, vous pouvez vous amuser à écrire le mécanisme. Donc globalement, on forme un premier radical ici qui va cycliser sur ce carbone, 5-hexotrig, puis le radical qui est ici cyclise lui en 6-endotrig. Puis ce radical ici revient sur ce carbone-là. Et donc, on arrive à ce dérivé-là qui est un précurseur de l'isogymnomitrène. Alors, ce qui est aussi intéressant à l'époque, c'était de voir ce dérivé-là avec une longue chaîne perfluorée. Et donc, le dérivé de l'étain. Parce que l'idée, c'était quand même de se débarrasser de l'étain. Et donc, une bonne façon, c'était de taguer le dérivé stanyl avec, par exemple, des chaînes perfluoro. Et donc, après, on fait une extraction avec un groupement, avec des solvants fluorés, et on se débarrasse de l'étain et des dérivés staniques. Donc, c'est vraiment Curran qui avait développé ça. C'est même monté pratiquement à l'état pré-industrialisation, jusqu'à temps quand même qu'on réalise que c'était assez cher. Et comme vous le savez maintenant, tout ce qui est perfluoré est un vrai problème environnemental. Donc, globalement, ce genre d'approche est complètement exclu maintenant, c'est fini. Mais c'était une des solutions pour on va dire, contrôler les problèmes avec la pollution des étains. Alors, ce principe des polycyclisations, il est toujours utilisé, c'est ça qu'il faut voir, et ça peut être utilisé pour des molécules assez intéressantes. C'est abéranone, par exemple, là, c'est un anti-palu, anti-malaria. Et donc, la stratégie, c'est de le faire ici par une cascade de type zipper où globalement on a un radical qui fait une première cyclisation, une deuxième cyclisation et ainsi de suite. Et donc on obtient ce squelette ici relativement avancé du produit naturel. Donc c'est un papier récent dans le JAX à 2023. Et dans ce cas-là, les conditions utilisées, oui, on a vu ces conditions, c'est tout simplement le manganèse acétate dans l'éthanol, qui va nous permettre d'engendrer le premier radical ici, puisqu'on a vu que le manganèse acétate oxydait les énolates de manganèse, et donc on va former le premier radical ici, qui va cycliser une fois, puis redeuxième cyclise, et troisième, et donc on obtient ce substrat ici avec 40%, mais bon, vu la complexité de la molécule, ça reste quand même tout à fait intéressant. Alors, l'autre challenge, c'était est-ce que dans ces cascades radicalaires conduisant au trichinane, donc je vous rappelle, ces trichinanes sont précurseurs à un certain nombre de sesquiterpènes, est-ce qu'on peut ne pas inclure que des étapes de cyclisation et par exemple mettre
des transferts d'hydrogène, des additions intermoléculaires. Et donc, c'était les travaux du laboratoire Malacria quand j'y suis arrivé. Et donc, l'idée, c'est de développer des cascades où on va avoir plusieurs partenaires et plusieurs types d'étapes. S'il veut bien me le passer. Ah, voilà. Donc, en fait, si on regarde cette cascade ici, de ce produit de départ à ce produit d'arrivée, on a créé en fait toutes ces liaisons ici en rouge, 5 carbones ici en rouge, et puis on a aussi créé 4 autres stéréogènes, et en fait celui-là est particulièrement contrôlé parce qu'il n'y a que 2 diastéroisomères, 9-1. Et la raison pour laquelle cette cascade marche, c'est qu'en fait toutes les cinétiques sur lesquelles elle est bâtie étaient relativement bien établies. Et donc globalement, initialement, on forme le radical stanyl, on arrache l'atome de brome. Première cyclisation, 5 hexodigues, c'est la seule réellement possible. Puis une deuxième cyclisation de ce radical, 5 hexotriques, qui là aussi cinétiquement accéléré. Puis le radical ici n'a pas de possibilité de cyclisation, il est nucléophile, donc il va s'additionner sur ce partenaire ici pour faire une 3 plus 2 et donc former ce cycle à 5. Puis ça va recycliser ici. Et ensuite, là, on a formé un radical vinylique qui est très très protégé, très à cause de l'encombrement. Ici, on a ce centre quaternaire, cette double très encombrée, on a quand même 2 méthyles ici. Donc on a un transfert d'hydrogène à 5. Puis une bêta-élimination du radical sulfonyl. Le radical sulfonyl réagit avec l'étain pour reformer un radical stanyl et donc on a la propagation. Et là, ce qui est très important, c'est la quantité d'acrylonitrile, 10 équivalents. S'il n'y en a pas assez, cette étape-là ne marche pas. S'il y en a trop, vous allez avoir tendance à en fait, polymériser, avoir des réactions de polymérisation. Donc là, il faut un contrôle particulièrement fort. Mais tout ça peut se faire parce que, comme je l'ai dit, les cinétiques, ici, dans la littérature, étaient établies. Alors évidemment, on connaît aussi les limitations de ce genre de réaction. Ce que je voulais juste montrer, c'est... on va un petit peu vite. Ouais. Voilà, ce genre de squelette et particulièrement ce genre d'approche avec ces éthers de BMDMS, bromométhyl-diméthylsilyl, est intéressant pour d'autres types de découvertes. Par exemple ici, on va former des cyclopentanes ici particulièrement fonctionnalisés et avec un très très bon stérocontrôle. Et cette étude est bâtie en fait, est fondée sur la compétition d'un transfert d'hydrogène ici. Donc on forme le radical ici, on forme ce radical vinylique qui peut exister dans 2 configurations. Donc ça on le sait, on a vu qu'un radical vinylique fait flip-flop, on va dire de façon très vite. Et maintenant, ça, c'est la configuration E, a priori défavorisée à cause du clash ici entre les groupements. Mais celle-là, ici, est relativement viable. Et ce radical ne peut pas être réduit par l'étain. L'encombrement stérique est vraiment très fort. Donc il a 2 possibilités. Soit faire un transfert d'hydrogène ici, a priori très activé, soit sur le méthyle, beaucoup moins activé. Mais l'encombrement stérique est tel, et le méthyle ici couvre ce radical vinylique. Donc en fait, c'est bien celui-là qui va se faire. Et il va se faire de telle façon, il va se faire de façon diastéro-sélective à conduire à ce méthylène avec le méthyle ici vers nous pour ne pas qu'il soit éclipsé avec l'isopropyl derrière. Donc on a quelque chose qui est assez nouveau, l'idée de faire un transfert d'hydrogène diastéro-sélectif. Et aussi là, chose nouvelle, ce radical méthylène reste malgré tout relativement protégé et va en fait cycliser en 5 endotrigues dans un système tout carboné, ce qui restait relativement rare, et puis on va le réduire pour créer une jonction entre les cycles ici 6. Donc en fait, et une bonne preuve de ce type de mécanisme, c'est si vous faites la même réaction avec du Bu3SND, vous voyez que votre deutérium se retrouve en fait ici dans cette position, et donc ça montre le dernier position du radical. Et donc globalement ici, on a le seul sous-produit et cette oléfine qui suggère qu'en fait on réduit quand même un tout petit peu ce radical parce qu'avec le Bu3SND, c'est là qu'on retrouve le deutérium. Bon, et donc effectivement, le 5 endotrigue n'est quand même pas efficace totalement. Alors, je vais passer maintenant à d'autres types de précurseurs. Donc, on peut arriver à des cascades avec différents types d'événements. Et notamment, alors pour l'instant, je vous ai montré beaucoup de cycles à 5.
On peut faire des cycles à 6 de façon aussi contrôlée. Il faut simplement forcer cette cyclisation à 6. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir généralement un carbone sp2 dans le lien et aussi d'encombrer la position de 5 hexos. Et dans ce cas-là, on peut avoir ce composé polycyclique avec il y a 7 cycles qui sont formés en une seule étape. 17% certes, c'est faible, mais quand on voit la complexité de la molécule et qu'on a ce diester isomère très majoritaire, ça reste quand même assez intéressant. Et donc, sur le même principe, le groupe de Gantzauer en Allemagne, ici ce groupe japonais, ont en fait bâti ces polycyclisations en utilisant l'ouverture des époxydes avec le titane 3, qu'on a déjà vu, puisque je vous rappelle, on va former le radical ici qui va être, qui va mettre l'oxygène, donc on va sur le précurseur par exemple du O. Ici, avec le titane 3, en fait, on va ouvrir, on va former cet intermédiaire. Alors ici, il y a la chaîne après. Hein. On va ouvrir cet époxyde de telle façon à ici avoir le diméthyle, le radical ici et le titane ici. Et du coup, on devient titane 4 puisqu'il y a eu un don d'électrons. Et donc, c'est pour ça que ce radical ici va cycliser en 6 endos. Et donc, ce genre de réaction marche quand même relativement bien et surtout sont très diastéro-sélectives toujours à cet arrangement chaise qu'on avait montré pendant la cyclisation. Et donc, on peut arriver à ces molécules-là qui sont des produits naturels avec un spectre d'activité assez intéressant. Antitumorale, antivirale et ainsi de suite. Ici aussi, c'est le formitellic acide, c'est un inhibiteur de la DNA polymérase. Et là aussi, on peut, dans ce cas-là, enchaîner deux cyclisations pour arriver à un squelette relativement avancé. Je rappelle aussi que ces réactions peuvent se faire a priori de façon, façon catalytique, en mettant du manganèse comme réducteur pour engendrer le titane 3. Alors, un autre type d'approche, c'est pour faire des radicaux, et peut-être plus simple, c'est de partir de précurseurs bimoléculaires et donc faire d'abord une étape intermoléculaire pour faire ensuite une étape intramoléculaire. Et donc, par exemple, des xanthates ici, ce xanthate avec ce dérivé N-allyle peut conduire à cette matrine qui est en fait un insecticide. Alors, l'idée, c'est que les deux vont évidemment réagir ensemble dans des conditions classiques avec une initiation au peroxyde, au lauryl peroxyde. Et donc, on va former le radical ici qui va en fait s'additionner sur la double liaison ici. Et puis, globalement, le radical doit cycliser ici pour recycliser sur l'autre. Alors, dans les conditions initiales, dans le benzène, on obtient un mélange de deux produits où ce qu'on voit, c'est qu'on a eu la première addition du radical, mais piégeage par le xanthate, ou la cyclisation jusqu'au bout avec le xanthate qui est ici. On peut reprendre ce produit-là et le remettre dans les conditions de réaction et aller vers celui-là. Donc ça veut dire qu'on clive en fait cette liaison carbone-soufre et on peut obtenir ce produit-là. Mais en fait, en faisant la même séquence dans l'isopropanol, on va directement à un squelette très proche du produit naturel. Il y a un stéréocontrôle qui n'est pas complètement complet. Mais l'avantage, la grosse différence entre l'isopropanol et le benzène, c'est que l'isopropanol est donneur d'hydrogène. Et donc, il va réduire les radicaux ici. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de xanthate en cette position, mais un hydrogène qui vient de l'isopropanol. Voilà. Donc, ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, ici, on peut former ces pyrroles de façon très, très simple, où on va utiliser le manganèse. Dans ce cas-là, de façon, d'ailleurs, catalytique, on forme le radical ici, qui va s'additionner sur ce styril, et on va former un intermédiaire de ce type-là.
Alors, en fait, on a d'abord la formation du radical ici. En alpha de l'azoture. Et ce radical, en fait, va fragmenter et on va former... le radical correspondant. Iminil. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Soit le radical ici cyclise sur ce carbonyl et en fait on piège, on forme un dérivé de ce type-là. Je vais juste écrire le cycle. Et lui réagirait avec le manganèse 2 et puis ensuite on protonne et on déshydrate. Ou on peut aussi imaginer en fait réduire ce radical, ou on va dire le protoner, l'hydrogéner. Et évidemment, il est en équilibre en tétomérie avec l'énamine qui réagirait de façon nucléophile avec le dérivé carbonylé. Puis on déshydrate et on obtient le pyrrole. Bon, là, les deux mécanismes sont possibles. Mais c'est une façon assez intéressante. Ces vinyles azotures, en fait, sont des partenaires de cyclisation radicalaire particulièrement riches en possibilités. Donc, voici quelques éléments de cascade où on va globalement avoir des phénomènes intermoléculaires. Récemment, on s'est intéressé à faire des alcaloïdes un peu complexes en utilisant, dans ce cas-là, comme première addition l'addition d'un radical CF3, trifluorométhyle. Comme vous le savez, l'introduction de noyaux trifluorométhyle sur un certain nombre de substrats, là aussi, décuple les propriétés biologiques. Et donc, c'était un travail en collaboration avec la société Servier. Et on a, en fait, alors, le précurseur qu'on utilise pour engendrer le radical trifluorométhyle, c'est le réactif de Tony, qui est ce substrat-là, Tony 2. Donc son inventeur, c'est Antonio Tony, de l'ETH à Zurich. Et ce substrat est relativement facile à réduire par un photocatalyseur activé, donc par exemple de l'iridium. On forme le CF3. Le CF3 s'additionne sur cette inamide. Et là, l'idée, c'était d'utiliser un transfert d'hydrogène à 5, puis de recycliser, puis ensuite de faire une substitution aromatique. Et donc, on arrive à ces substrats de façon assez efficace, en impliquant quand même des radicaux assez étonnants, comme ce radical alpha-cyclobutyle, où c'est aussi compatible avec d'autres types de fonctions, comme ce boronate et ainsi de suite. Donc, on peut conjuguer facilement intermoléculaire et intramoléculaire. On peut aussi avoir d'autres types de radicaux que des radicaux C carbonés et, par exemple, impliquer des radicaux N centrés. Alors, je vous montre deux approches totalement différentes. Le premier, c'est en fait partir d'une N-chloroamine et d'engendrer le radical N point qui va faire l'équivalent d'un trichinane azoté avec transfert de chlore. Les rendements sont assez bons. Celui-là est majoritairement formé, il vient de ce type de cyclisation. Alors la question quand même qui se pose, c'est qu'un N point, a priori un radical centré sur l'azote, est particulièrement réactif. Et globalement, il peut aussi faire des transferts d'hydrogène. Mais le fait ici d'utiliser ce mélange, de l'engendrer avec du titane 3, on a en fait un radical ici qui est stabilisé par le titane. On a eu un transfert de chlore. Et donc ce radical ici est globalement capé par le titane et a une réactivité relativement différente et notamment est assez peu arracheur d'hydrogène. Et puis, autre approche, basée pratiquement sur une chimie proche d'exanthate, puisque globalement on va fragmenter ici cette liaison azote-azote et on va former ce N point, ce radical amidyle,
dans des conditions classiques avec du lauryl peroxyde. Et donc, première cyclisation, puis substitution aromatique aussi ici. Et donc, on arrive à cette fortucine qui est un dérivé avec des activités, notamment anti-tumorales, assez intéressantes. Donc, on peut aussi engager des radicaux, des hétéroradicaux basés, par exemple, sur l'azote. Je vous montrerai après des travaux avec l'oxygène. Une façon intéressante à laquelle on ne pense pas, c'est d'introduire une fonction nitrile. Alors, la fonction nitrile est intéressante parce que, bon, déjà en elle-même, mais ensuite c'est aussi un précurseur de beaucoup de choses. Si on additionne un nucléophile sur un nitrile, on peut obtenir une cétone, on peut aussi hydrolyser un nitrile en acide carboxylique. Et une bonne façon de faire ça, c'est d'additionner un radical sur un isonitrile, puisque globalement on va former cette liaison ici carbone-carbone, et puis ça va fragmenter pour former ce nitrile, et on expulse un radical TBU. Donc évidemment, ça marche bien que si vous avez ce radical terbitule tertiaire qui est expulsé. Et donc ça a été développé dans le cadre de la réaction de Unno-Storck, dont on voit une application ici. Oui, d'ailleurs, il y a une revue par Philippe Renaud que j'ai oublié de citer, mais qui est très bien là-dessus. Et donc, on se met dans des conditions catalytiques à l'étain ici. Hein, j'avais parlé de ces conditions catalytiques. On va former le radical, il cyclise, et on introduit le nitrile ici. Et donc, ce principe de réaction d'Unno-Storck, c'est d'utiliser ce type de précurseurs qui sont faciles à faire, puisque globalement, il suffit d'avoir. Il suffit d'avoir l'alcool allylique correspondant plus ce vinyle éther et du NiS comme électrophile, donc, qui est une source de I+. Donc on va former l'iodonium ici et globalement l'alcool va attaquer cet iodonium et on va former directement une seule étape. Le précurseur. Donc là où c'est intéressant, c'est d'utiliser ces isonitriles dans des réactions de 4 plus 1 pour former ces dérivés de camptothécine. Donc le camptothécine, c'est ce produit-là qui est un antitumoral très très puissant. Et Curran a beaucoup travaillé sur ces dérivés-là, avec pratiquement d'ailleurs, il a pratiquement eu un médicament avec un dérivé substitué ici, en substituant ici par un dérivé silylé, le silatécane. Et l'approche synthétique est assez élégante. Donc c'est une 4 plus 1. Alors pourquoi 4 plus 1 ? Parce que globalement, si vous regardez bien la disconnexion, au moins de la première étape, donc vous avez d'une part votre isonitrile, qu'on peut voir comme un carbène, mais aussi un diradical, on va dire formellement. Et vous additionnez ce radical aryl ici. Et donc, globalement, ce qui se passe, c'est que vous allez... Voilà, donc vous avez en fait, on va dire, joindre ce carbone avec, joindre ces deux radicaux, et globalement ici, 1, 2, 3, 4, ici, vous créez aussi une attendez, ouais, 1, 2, 3, 4, pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, d'où la 4 plus 1. Alors, donc, cette 4 plus 1 permet d'arriver à ces squelettes avec deux produits. Alors, pourquoi ? Donc, globalement, on forme le radical ici, il s'additionne sur l'isonitrile qui recyclise. Et maintenant, donc là, ça recyclise et on forme ce radical vinylique. Ce radical vinylique, il a deux possibilités.
soit ils cyclisent sur le noyau aromatique ici, et puis après on a une élimination de l'isopropyl, et donc on forme globalement ce produit-là, c'est le produit mineur. Mais si c'est mineur, en fait, la raison c'est que ici on a beaucoup de contraintes stériques. Donc c'est plutôt ce qu'il va faire, c'est qu'il va plutôt faire, donc ça c'est l'attaque, on va dire, ortho, il va plutôt privilégier l'attaque ipso, c'est-à-dire attaquer sur ce carbone ici, pour former ce radical, qui est évidemment, on va vouloir retrouver son aromaticité, retrouver l'aromaticité le plus vite possible, donc on fragmente pour former maintenant ce N point, et du coup c'est le N point qui s'additionne ici en ortho, avec bêta-élimination de l'isopropyl pour former ce produit majeur, de façon majoritaire. Donc ce qui est intéressant, c'est que le produit majoritaire vient quand même d'une séquence qui n'est pas complètement, on va dire, intuitive, mais c'est dû au fait que le radical vinylique qui vient de la 4 plus 1 est confronté à ce fort encombrement stérique ici. Donc évidemment, les substituants qui sont ici sont importants. Alors cette bêta-élimination d'un radical isopropyl, on en a déjà parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les cours précédents, c'est une bonne façon de faire une substitution homolytique sur un noyau aromatique et d'expulser un radical secondaire relativement stable pour réaromatiser. Donc différents types d'analogues ont été préparés et testés dans cette série-là. Alors le samarium se prête, on a déjà vu, permet de faire des séquences assez intéressantes parce qu'on va partir de précurseurs carbonylés. Et la chimie des carbonylés est très riche. Et là, on a un très bel exemple par David Proctor où, globalement, on va partir d'un dialdéhyde, comme ça. On va mettre du samarium et on va arriver tout de suite à ce squelette quand même très avancé de la pluromutiline qui est là aussi une molécule avec pas mal d'activités biologiques intéressantes. Et le secret ici, c'est que, globalement, le samarium, on l'a vu, peut globalement former, peut réagir avec les, il va réagir avec les ADI de façon très favorisée, mais ici vous en avez deux. Okay. Or, globalement, vous avez vu le rendement, vous avez quand même une sélectivité qui est très importante vis-à-vis de celui-là. Le don d'électrons du samarium vis-à-vis des aldéhydes est quelque chose qui est réversible. Okay. Donc on a du back electron transfer. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va arriver à l'intermédiaire qui est en fait le plus stabilisé. Et ici, il va être stabilisé, ce radical cétyl, par la coordination secondaire de l'ester, ici, qui va donc contribuer à stabiliser le centre radicalaire ici. C'est lui qui va s'engager dans la cyclisation. Et puis ensuite, on va avoir une réaction de Haldol qui est contrôlée aussi par ce chélate pour conduire à ce produit. Donc, globalement, on peut vraiment jouer avec des conditions, le substrat, sur ces effets chélates ou pas, qui sont importants. Et on a l'avantage des réactions polar crossover, où globalement on part d'un processus purement radicalaire, et à la fin on termine avec une réaction polaire. Ce qu'on avait vu, ce qui est toujours le cas avec le samarium, puisqu'on en met deux équivalents, toujours deux équivalents, un pour créer le premier radical, le deuxième pour réduire le radical et créer un énolate. Ici, c'est la même chose, on arrive à un squelette assez avancé de la strychnine. Dans ce cas-là, le samarium va réduire le carbonyle le plus électrophile. Donc entre un amide, un ester et une cétone, c'est l'acétone. On va former le radical ici, cétyl, qui va cycliser ici sur cette double liaison. On va former un radical ici qui va être réduit par le deuxième équivalent de samarium, ce qui fait un anion. Et cet anion, maintenant, s'additionne sur l'ester pour engendrer l'acétone. Donc, on peut quand même programmer des séquences particulièrement élégantes avec ces dérivés. Pour l'instant, toute cette chimie a été faite en stoichiométrique, mais on a vu qu'on a maintenant des techniques pour le faire en catalytique qui peuvent être jouables. Alors, un travail, moi, j'avais trouvé assez étonnant quand il était sorti, c'est cette approche à la podophyllotoxine, qui est là aussi un antimural assez intéressant, par ce réarrangement, cette migration en fait 1,4 d'un aryl. Donc on part de ce précurseur ici, qui est un thiocarbonate. On utilise le réactif de Shadjialouglou et de la IBN, et on va obtenir ce squelette-là. Donc là aussi, c'est pas complètement évident au départ, mais qu'est-ce qui se passe? On va d'abord additionner le silane sur ce soufre, former ce radical,
qui va cycliser. Bon, ça, a priori, c'est OK. Et maintenant, ce radical soit est réduit, soit s'engage dans une addition sur l'aromatique. Alors, c'est ce qu'il fait, en fait. Il s'additionne sur cette aromatique. Évidemment, on se doute bien qu'on va évoluer vers un système où on va retrouver l'aromaticité. Et donc, globalement, on va fragmenter pour former ce haut point qui va se rabattre pour expulser ce radical thyl qui réagit avec le réactif de Chagall-Uglou pour former le radical thylé qui du coup refait un tour et ainsi de suite. Et donc on arrive à ce substrat ici. Alors, je n'ai pas fait figurer le rendement. Le rendement est correct, c'est de l'ordre de 60-70% si je me souviens bien. Le problème, c'est que là où cette stratégie est un petit peu plus, on va dire, est un petit peu malmenée, c'est au niveau de la diastéroselectivité des centres créés, parce que globalement, elle ne permet pas d'avoir le stéro-contrôle de tous les centres comme il faudrait. Malgré tout, on peut arriver à des squelettes assez avancés, et là aussi, de toute façon, beaucoup d'analogues se sont révélés aussi intéressants que le produit naturel. D'ailleurs, d'une façon générale, la question qui se pose, c'est finalement, est-ce que c'est intéressant de faire de la synthèse totale de produits naturels ou faire de la synthèse de produits naturels? Et la réponse, c'est évidemment oui. Pourquoi? Un, parce qu'on peut déjà confirmer la structure d'un produit naturel, surtout si l'extraction est faible. Deux, le mettre dans des études biologiques plus avancées. Si je rappelle le taxol, par exemple, tel qu'il est extrait de l'écorce d'olive, il l'a été en toute petite quantité, donc on a beaucoup de produits naturels dont on souffre de l'isolement en petite quantité. Là, si on arrive à faire la synthèse, on peut a priori produire plus de produits. Ça, c'est les premiers points. On peut aussi découvrir des analogues en route qui sont plus actifs. On peut aussi découvrir de nouvelles réactions. Ça, c'est non négligeable. On peut aussi mettre en scène des réactions intéressantes et montrer qu'elles sont vraiment... viable. Et puis j'ai envie de dire, c'est aussi un challenge intellectuel ou même sportif. C'est un petit peu comme entreprendre l'ascension d'une montagne. Par quelle voie vous allez la prendre? Donc on parle toujours de voie en synthèse totale, voie ci, voie ça, mais là c'est la même chose. Et puis le dernier point, c'est que c'est une école de formation quand même excellente, puisque vous allez apprendre différents types de réactivité avec un catalogue assez important. Voilà, donc on avait parlé des macrocyclisations. Les macrocyclisations permettent aussi de faire des cycles assez intéressants, toujours sur la base plutôt de 12 endotrigues, éventuellement 13 endotrigues, 14 endotrigues, pas des tailles plus petites, parce que là c'est compliqué. Donc là c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 14 endotrigues, ça marche assez bien. Mais tout ce qui, si vous arrivez à 11 ou 10, c'est un petit peu compliqué. Là où ça peut être intéressant, c'est de faire d'abord une première cyclisation, macro-cyclisation, et ensuite faire des cyclisations transannulaires, c'est-à-dire à l'intérieur du cycle que vous venez de créer. Et globalement, ici, c'est ce qui se passe. On peut arriver, par exemple, à ce cycle 6, 8, 6, relativement proche quand même du taxotère en une seule étape. Et c'est une molécule qui est particulièrement... Alors, taxotère ou taxol, c'est le même squelette carboné, c'est juste la chaîne peptidique ici qui diffère. C'est vraiment un challenge terrible au niveau synthèse, mais cette approche finalement est assez intéressante, notamment pour construire cette double liaison ici en jonction de cycle, qui est très compliqué à mettre autrement. Là, on a une synthèse de l'eustrone par le même principe où on va d'abord faire une macro-cyclisation, ouverture du cyclopropane et recyclisation, ainsi de suite. On peut arriver aussi à des molécules très complexes, par exemple ces propélanes. On a déjà vu des propélanes plus petits, mais par exemple ce 3-3-3 propélane. Ici, on va jouer sur une réaction qu'on a déjà vue, qui est une réaction de substitution homolytique sur ce soufre. On va former ce radical. Qui évidemment est en résonance avec ce radical alpha-céthényl. Cyclisation ici une première fois, puis le radical qui est formé recyclise sur le céthène et donc on obtient cette cétone qui est un précurseur du modéphène qui est un sesquiterpène naturel. Notamment, il y a des propriétés olfactives d'un certain nombre de ces dérivés qui sont assez intéressantes.
Et puis là, on va regarder deux exemples où on a utilisé la stratégie transannulaire réellement, de faire des réactions transannulaires sur un squelette assez élaboré initialement. Donc c'est les deux exemples assez emblématiques. Cette synthèse de la base ménone par Myers, où le précurseur radicalaire est cet alène cyclique qu'il a fallu former. Alors l'étape de macrocyclisation ici n'est pas radicalaire, c'est une étape polaire en fait. Avec du SNCl4, on forme ce carbocation acyle qui réagit avec cette double liaison nucléophile. On forme le cycle avec un chlore ici. Après quelques aménagements fonctionnels, on arrive à ce précurseur. Et ici, on a une réaction très intéressante, globalement, de photo-electron transfert qui va conduire au radical. Donc, on part du carbazole. Qui va être irradié, donc ce N-méthylcarbazole qui va être irradié et qui va en fait donc permettre de donner un électron au substrat au précurseur radicalaire. Et donc globalement, donc j'ai juste écrire le on a en fait donc avec le CF3 qui est en méta ici. On forme ce radical intermédiaire qui va en fait fragmenter pour libérer le carboxylate correspondant et former le radical ici qui va faire une première cyclisation puis une deuxième cyclisation et le thyl ici va en fait réduire le radical. Ou le cyclohexadiène dépendant des conditions. Oui, en fait, non, pardon. C'est le cyclohexadiène ici qui va réduire le radical, mais on peut isomériser la double liaison en utilisant du thyl avec de l'ABN, et donc on va faire migrer cette double liaison pour ne pas avoir un mélange des produits de réduction. Et puis après quelques étapes, on arrive au produit naturel. Donc c'est, ce qui était intéressant, c'est finalement d'envisager cette Barton-McCombie, parce que c'est un côté, parce que c'est une réaction de Barton-McCombie, mais de façon photocatalytique, donc en utilisant un PET. Photochemical electron transfer. Et donc, deuxième approche ici, où on va faire un dérivé particulièrement fonctionnalisé avec quand même une tension cyclique avec un alcyne dans ce cycle ici, ce macrocycle. Et puis là aussi, on réengendre le radical comme on l'a vu, qui va cycliser une première fois, radical vinylique deuxième fois, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est comment fabrique-t-on ce genre de dérivé cyclique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En fait, par un couplage de Nozaki Kishi. Alors d'ailleurs, c'est Nozaki Kishi Takai Tamao, mais c'est des couplages au chrome qui marchent très bien. Le seul problème, c'est que le loading en chrome est parfois énorme, du genre 50 équivalents. Mais globalement, on arrive, c'est la meilleure façon en fait, d'additionner un vinyle iodure ou un alcyne iodure comme ça sur un dérivé carbonylé et surtout de le faire cycliser. Donc là, globalement, on arrive à une structure qui est particulièrement intéressante. On va, après réduction du radical, on peut oxyder cette liaison carbone-soufre de type TAMAO. Et puis, on va aussi libérer l'éther silylé pour arriver à
presque le produit naturel, puisqu'il y a un des centres qui ne correspond pas à celui du produit naturel. Voilà. Je vous ai dit qu'on verrait un petit peu les radicaux oxygénés. L'oxygène, généralement, on évite plutôt dans les réactions radicalaires, mais on peut l'utiliser ici de façon pour faire ces peroxydes cycliques. C'est quand même assez incroyable d'arriver à ce genre de molécules. Donc le secret ici, c'est de mettre de l'oxygène, un dithyle, et on arrive à ça. Donc l'idée, c'est que on a... on fait des 3 plus 2 radicalaires. Donc, on va prendre juste... Donc, on engendre un radical phi S point. Ce radical phi S point s'additionne sur la double liaison. Ce radical ici va, donc le phi S point s'additionne ici, on forme un radical qui ouvre. Ce radical ici réagit avec le dioxygène. Donc vous voyez tout de suite ce qui va se passer. Hein. On va former cette liaison-là. Ici, ça se radicionne. On forme un radical ici qui ensuite va fragmenter. Pour dégager le S-phi. Et donc, on reforme tout de suite la double liaison. Et donc, on peut refaire un tour de l'autre côté, quoi. Donc, c'est assez élégant pour faire ce genre de choses. On peut aussi additionner des radicaux oxygénés de carboxyle, parce qu'eux, ils ont un problème, ils sont lents dans la décarboxylation. Et si on le piège assez rapidement par une oléfine très acceptrice, on va pouvoir faire ce genre de dérivé avec un stéréocontrôle assez bon. Et en fait, il y a relativement peu d'exemples de ce genre de piégeage de radicaux carboxyle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec des radicaux oxygénés? On a parlé du tempo. Le tempo ne s'additionne pas sur les doubles liaisons. Le tempo ne réagit pas sur les doubles liaisons. Par contre, on peut l'utiliser comme groupe de transfert, et notamment c'est utilisé pour faire de la polymérisation. On peut faire de la NMP, donc N, c'est polymerization, alors M, je ne sais plus, mais enfin, c'est le tempo qu'on peut additionner sur plusieurs liaisons comme ça. Et donc on fragmente ce radical, il cyclise une première fois, il cyclise une deuxième fois, et on piège ici. Si on a l'intermédiaire ici, soit on va directement là, soit on prend cet intermédiaire et on chauffe, parce qu'on va recliver ici, et ainsi de suite. Ou on peut additionner sur cette double liaison. Donc c'est comme ça qu'on peut faire des additions séquentielles. Et on peut même conjuguer ce genre de fragmentation, cyclisation, avec par exemple du CO. Donc globalement, on forme le radical ici, qui va cycliser une première fois. La réaction intramoléculaire va être plus rapide. Le piégeage, le radical qui en résulte, réagit avec le CO. Et ensuite, on a une substitution qui est piégée du coup par le tempo. Et en fait, oui, c'est ça. Là, ça ne réagit pas sur le noyau aromatique. C'est globalement, par contre, ce dérivé-là, qui est traité en traitement acide, qui va permettre d'obtenir ce genre de dérivé. Bon, le CO est un bon partenaire pour les réactions radicalaires. On l'a déjà vu plusieurs fois. Alors. Donc avant de passer à la chimie de l'hydrogène, juste des travaux qui étaient assez intéressants, c'était d'utiliser des radicaux oxygénés, mais avec un X qui est un groupe partant, et notamment le radical nitrate, donc, qui est assez facilement engendré soit par oxydation de l'anion nitrate ou de façon photochimique ici
en irradiant par exemple de l'ammonium nitrate. Donc l'idée c'est, vous additionnez ce radical sur, sur un dérivé comme ça, il va s'additionner sur une triple liaison, donc partez du principe que vous avez le radical nitrate ici, vous formez ce radical vinylique, ce radical vinylique peut s'additionner sur ce dérivé carbonyle, c'est un 5-hexo-trig, vous formez un haut point, ce haut point lui va recycliser sur cette double liaison, et maintenant comme je vous ai dit, le X est un bon groupe partant, donc vous allez former 7 tonnes et vous relibérez le X point qui est le radical NO2 point. Vous pouvez faire ça aussi. L'autre possibilité, c'est que ce radical fasse un 6-hexotrig et même idée, cyclisation, fragmentation. Donc, d'une façon générale, on peut arriver à des molécules relativement complexes. On peut le faire aussi sans carbonyle dans le lien pour arriver à ces bicétones. Je ne me souviens plus s'il y a des détails sur la diastéroselectivité, je ne suis pas sûr, mais les rendements ne sont pas mauvais. Mais l'idée, c'est vraiment d'utiliser ces radicaux, finalement, qui permettent de faire une addition et une bêta-élimination et donc d'introduire, par exemple, un dérivé carbonyle, en fait, tout en permettant une cyclisation radicalaire. Donc, c'est assez élégant sur le principe. On peut faire aussi ce genre de transformation avec le radical SO4, le radical anion du sulfate. Je vais me rapprocher de la télécommande parce qu'elle est un peu... Oups. Je sais pas si il y a autre chose. Oui, là il y a un petit problème d'inversion, on va d'abord commencer par celle-là. Donc, qu'est-ce qu'on a vu sur le radical H point? Pour l'instant, ce qu'on a vu beaucoup, c'est plutôt des réductions de radicaux en utilisant des réducteurs, des donneurs d'hydrogène stoichiométriques, l'hydroéthane, le silane, dont la BDE SIH ou SNH est inférieure à 80 kcal par mol. Et puis après, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus rapides, le léthyl, le sélényl. Leur BDE n'est pas particulièrement basse, mais c'est simplement qu'il y a des effets polaires très forts qui jouent, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un bon match de ces donneurs d'hydrogène avec un radical nucléophile. Les autres silanes, généralement, sont plutôt lents. On a vu le borane, et notamment les NH et borane qui peuvent être donneurs d'hydrogène tout en étant relativement longs. Et puis il y a toujours cette question qu'on pose toujours sur la chimie radicalaire, mais alors, est-ce que l'eau est un problème en chimie radicalaire? En fait, l'eau n'est pas un problème en chimie radicalaire, ce n'est pas un donneur d'hydrogène. Parce que tout simplement, la BDE est à 118 kcal par mol. Donc on peut faire de la chimie radicalaire dans l'eau, et d'ailleurs, il y a un certain nombre de mécanismes biologiques, enfin même un grand nombre, où il y a des intermédiaires radicalaires qui sont impliqués. Par contre, si vous vous trouvez dans des conditions où si vous avez de l'eau dans votre milieu et vous commencez à complexer l'eau avec un acide de Lewis, alors vous allez faire baisser cette BDE de la liaison oxygène-hydrogène. Et l'acide de Lewis que vous pouvez utiliser, c'est du samarium, du fer, du titane, du bore. Donc il y a beaucoup de possibilités. Juste d'ailleurs, comme parenthèse, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec les NH et borane. Le borane n'est pas un bon donneur d'hydrogène, mais si vous le complexez avec une base de Lewis, ça marche. Donc c'est vraiment un lumpolung de là. Donc par exemple, de l'eau complexée comme ça au titane 3, la BDE ici va vous dire que là ils ont oxygène-hydrogène est de l'ordre de 50 kcal par mol. Donc en fait c'est un excellent donneur d'hydrogène. Okay, donc ça change tout. Donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont être faites autour de ça. On peut aussi complexer par exemple du méthanol avec des boranes, on peut même faire de la deutériation, il y a des travaux qui ont été assez intéressants avec du bore ou avec du titanium. Donc l'idée c'est qu'on utilise l'eau maintenant comme donneur d'hydrogène. Donc ça c'est pour réduire un radical, certes intéressant, on peut introduire un deutérium, c'est intéressant aussi, mais est-ce qu'on peut faire une chimie un petit peu plus, on va dire, encore sophistiquée? Et donc dans les années j'ai pas mis les papiers originaux, c'est pas très mal. L'idée, c'est d'utiliser des hydrures de fer ou de cobalt ou de manganèse générées in situ, où globalement, on part d'un complexe de fer, donc par exemple, on va faire un échange de ligands ici, on va introduire un hydrure, et cette hydrure de fer va donner son hydrogène à une double liaison pour former cette paire radicalaire qui est en équilibre avec le dérivé organométallique.
Et maintenant, ce radical va faire une réaction radicalaire classique. Il va par exemple réagir avec un partenaire Y, avec un leaving group. Donc, on va réengendrer, donner le produit final et libérer le complexe ici, qui va falloir réoxyder pour arriver à cet état-là et faire l'échange de ligands. Donc, globalement, généralement, on part d'un fer 3 et puis ensuite on obtient un fer 2 qu'on va réoxyder. Et la même chose avec le cobalt et ainsi de suite. Les réducteurs qu'on utilise, c'est généralement des hydrures, sodium borohydrure ou le silane. Et l'oxydant, c'est variable, ça peut être simplement de l'oxygène ou pas. Ça peut être aussi lui qui, en fait, va être réduit par ce complexe-là. Et donc, on peut réengendrer, par exemple, le cobalt 3 ou le fer 3. Alors, là où ça a été beaucoup utilisé, c'est pour, initialement, c'est ces travaux de Drago et de Mukayama. Mukayama, c'est le même que celui de la réaction d'Aldol, pour faire de l'hydratation d'alcène de façon Markovnikov. Donc voici un alcène et vous formez cet alcool. Alors c'est vrai que sur le papier, la réaction de Markovnikov, l'hydratation des alcènes, on se dit bah, pourquoi pas, c'est déjà connu, quel est l'intérêt? En fait, si vous voulez la faire avec de l'acide et de l'eau, c'est quand même une réaction qui va vous donner beaucoup de sous-produits. Donc la faire de façon propre, finalement, ça devient intéressant. Et donc, voici un exemple ici. On va pouvoir obtenir, hydrater cette double liaison ici de façon sélective, bien avec une orientation Markovnikov. Et comme vous voyez, on peut aussi, là aussi, déterrer assez facilement en utilisant du NaBD4. Donc l'idée, c'est on part d'un cobalt 3 d'hydrure. Ce cobalt hydrure, en fait, on va dire, réagit de telle façon à globalement donner un H-point ici, pour former cet intermédiaire. Alors là, on a écrit le complexe organométallique, mais globalement, c'est un cobalt 2 avec le radical qui est oxygéné. Et puis ensuite, ce peroxyde est réduit par le réducteur ici. Ça nous permet aussi de former l'hydrure de cobalt qui peut refaire un tour et de libérer l'alcool. Donc c'est une réaction qui peut être assez intéressante et il y a eu des applications assez jolies. Par exemple, les travaux de Boger sont particulièrement spectaculaires, notamment ici pour faire ce dérivé de cette vinblastine. Alors, cette vinblastine, c'est un médicament, hein, c'est un anticancéreux, ça vient de la pervenche de Madagascar. Et donc, ce que vous pouvez voir, alors, il y a deux étapes. La première étape, c'est on va coupler les deux entités ici. Je ne vais pas rentrer dans le mécanisme de cette étape parce qu'il est assez complexe et ça reste quand même du transfert électronique, mais ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on va globalement, le carbone ici, en bleu, vous voyez, va réagir avec le carbone ici, et il y a une fragmentation. Ici, on va engendrer un électrophile, et ici, on a un carbone relativement nucléophile, et donc on va coupler les deux. Et ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on a couplé les deux, va être une hydratation. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez deux doubles liaisons ici, a priori, qui peuvent réagir. Il y a celle-là et celle-là. Et ce que vous voyez globalement, c'est que c'est la rouge qui réagit, non pas celle-là, pour donner cet alcool ici. Et donc on peut imaginer ici qu'il y a un certain encombrement et que par ailleurs, celle-ci, finalement, passe d'un côté, est plus activée, plus riche en électrons. Parce que, en fait, ce qui apparaît, c'est que ce H-point qui est formé aime bien réagir avec des oléfines riches en électrons. Donc c'est le H-point a un certain caractère électrophile. Ici, l'idée, c'est on veut hydrater cette double liaison, mais donc on va d'abord additionner le H-point, mais maintenant le radical qu'on engendre en fait, va aussi cycliser une fois, puis ça refragmente. Et on obtient ce dérivé-là, et là, c'est lui qu'on va oxygéner, et on va arriver à ce genre de squelette qui s'approche des scopadulanes, là aussi une famille de produits naturels. Donc on peut vraiment additionner un H-point formellement, et faire de la chimie radicalaire assez élaborée derrière. Juste pour vous montrer, on peut par exemple fluorer une double liaison, additionner HF. Alors, je ne vais pas rentrer dans les mécanismes, parce qu'à chaque fois, c'est un petit peu particulier, mais c'est quand même un outil très puissant. On peut introduire un azoture sur une double liaison. On peut faire de l'hydrogénation, de façon, notamment des hydrogénations qui sont compliquées. Et donc, pas besoin de rhodium, pas besoin de H2. Donc, on peut simplement
donc hydrogéné sur des squelettes carbonés assez forts, avec une stéréosélectivité qui est très bonne. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé en synthèse totale, hein, c'est ce type de réaction, parce que ce n'est pas très, très dur à mettre en œuvre. On peut aussi, dans ce cas-là, introduire un groupement soufre. L'idée, c'est que le radical ici qui est formé réagit en fait sur le soufre ici et expulse un sulfonyle. Et le sulfonyle, du coup, lui, va être réduit par le cobalt 2. Donc là, il n'y a même pas besoin d'oxydant, ça marche tout seul. On peut faire des éthers, on peut faire des réactions d'amination, hydroamination. Je vais vous montrer un exemple de cross-coupling, vous allez voir, c'est quand même assez fantastique. Et là où c'est peut-être le plus spectaculaire, c'est qu'on peut coupler deux oléfines. Donc, si vous voulez coupler deux oléfines, généralement, vous avez pensé à de la métathèse croisée ou des choses comme ça, et ça vous redonnera de toute façon un alcène, et puis il y a des problèmes de sélectivité. Vous ne contrôlez pas toujours les stéréosélectivités. Donc ici, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est réellement, vous avez une oléfine, et vous en avez une autre, et globalement, vous les couplez et vous les réduisez. Et donc, le meilleur cas, c'est généralement, il faut une oléfine riche et une pauvre. Et donc, on arrive à faire ces produits de façon sélective, avec des bons rendements, donc fer à CAC, le silane. Donc ça a été vraiment mis au point par Baran, qui a fait plusieurs papiers sur le sujet, donc celui-là, ce Nature. Dans ce Nature, ce qu'on voit, c'est l'étendue des partenaires qui peuvent être utilisés. Donc une énamine avec une cyclopentenone, cet éther soufré avec l'acrylonitrile, un boronate, un vinyle boronate avec un amide, ainsi de suite. Et donc vous voyez, les rendements quand même restent très bons. On peut même utiliser par exemple un alcène substitué par un chlore, ce qui est quand même particulièrement touchy, quoi. Et ça, le couplage se fait quand même de façon très, très efficace, quoi. Alors, les loadings en fer sont variables. Ça peut être du catalytique ou un petit peu plus, un peu plus fort. Bon, le fer à CAC, ce n'est pas particulièrement cher. Les ligands, c'est toujours des ACAC, sauf qu'au lieu d'avoir un méthyl, ça peut être un isobutyl, ou dans d'autres fois, c'est un terbutyl, mais globalement, c'est ça l'idée. Ici, il y a un exemple très intéressant là, par l'Arionov. Donc, on a une déhydroalanine qui est complexée au nickel ici. C'est le template de Bellocon. Et on peut, en fait, additionner le radical qui résulte de l'addition du H point ici, sur cette double liaison. Sur cette oléfine. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce que je n'ai pas précisé, mais ce qui est évident, c'est que le H point s'additionne toujours sur le carbone le moins substitué. Ce qui est assez logique, mais on le voit ici. Et donc, l'avantage du template de Bellocon, c'est qu'après libération de l'auxiliaire chiral, on obtient ce produit avec un degré diacéroméraïque assez élevé. Donc, ça veut dire aussi un EE assez élevé. Donc, globalement, on a des possibilités assez importantes. Je montre ici un travaux de Strasbourg où ils ont utilisé cette chimie dans le cadre de sucre. Donc, les éthers d'énol, évidemment, sont très riches en électrons. Donc, vont être des bons partenaires pour l'addition du H point. Alors, je dis bien, c'est H point, mais entre guillemets, hein, parce que c'est pas un vrai H point. Et on va piger le radical correspondant avec une oléfine activée. Donc, on va obtenir différents produits de différents nouveaux C-glycosides qui étaient particulièrement inaccessibles avant. Et les conditions de réaction, sont toujours classiques. Elles ne sont pas détaillées ici, mais c'est du fer 3, un silane et ainsi de suite. Alors, le mécanisme ici, il a été détaillé, il a été étudié principalement par Hollande et là avec Rinaldo Poli aussi, donc dans ce JAX. Donc, pour faire assez court, en fait, on va engendrer le radical par addition du H point. On a aussi formation concomitante du fer 2. Le radical ici va s'additionner sur l'oléfine activée. Et maintenant, c'est de savoir comment on arrive au produit final et comment on va réengendrer et perpétuer notre cycle catalytique. Donc, de la deux façons, soit le radical est réduit par le fer 2, et dans ce cas-là, directement, on réengendre le fer 3 et on peut repartir. On forme un énolate qui va être protoné. Ou, alors, quelque chose dont j'ai assez peu parlé, même pas du tout, mais j'en parlerai plus l'année prochaine, c'est ce qu'on appelle le PCET, donc c'est le proton
Electron Coupled Transfer, donc Concerted, où globalement, ce complexe de fer 2 va à la fois donner un électron et un H point pour obtenir ce produit, pour engendrer ce complexe de fer 3 qui va échanger un de ses ligands pour refaire l'hydrure et ainsi de suite. Là, entre les deux possibilités, bon, ça reste ouvert, mais globalement, c'est des réactions qui peuvent tourner. Et donc, comme je vous ai dit, on peut faire du couplage. Donc, ça ressemble beaucoup à ce que je vous ai montré initialement de la triple catalyse. Ici, on voit une oléfine, quand même assez particulière, et un aryl. Alors ici, c'est du couplage quand même, on reste sur du SP3, SP2, mais on peut former ce produit ici de couplage, qui est quand même particulièrement fonctionnalisé. Et c'est vraiment des molécules avec un profil intéressant, parce qu'on sait que les petits cycles ont des réactivités intéressantes et rajoutent un peu de complexité sur un certain nombre de choses. Donc le principe ici, c'est qu'on forme le radical par le cycle H point. Ce radical ici ne va pas réagir avec une oléfine, mais en fait va être intercepté par le nickel. D'une façon générale, on sait que ces radicaux alkyles réagissent très vite avec le nickel. Alors là, il y a deux cycles qui sont proposés selon la classe du radical. S'il est secondaire, a priori, on va plutôt l'additionner sur le complexe d'addition oxydante, puis élimination réductrice. S'il est tertiaire, on va plutôt en fait l'additionner directement sur le nickel 0 pour faire un nickel 1 et faire l'addition oxydante. Bon, ça, c'est, comme je vous dis, c'est un papier qui date de 2018. C'est une possibilité. Il y a un certain nombre d'éléments qui suggèrent que c'est possible. Bon, non, quel que soit l'ordre d'addition du radical sur nickel, qu'il soit sur le nickel 0 ou sur le nickel 2, globalement, l'idée, c'est qu'on forme un nickel 3 qui fait l'élimination inductrice. Et ce nickel 3 doit être réduit en nickel 0. Et là, on a besoin d'un réducteur. Et donc, on va mettre du manganèse, un équivalent. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on a aussi besoin d'un oxydant pour réoxyder le fer 2. Et donc, on va mettre du manganèse dioxyde. Donc on se retrouve dans des conditions de réaction où on a à la fois un réducteur et un dioxydant. Donc je pense que là, globalement, les espèces après, on va dire, vraiment finies, ou du moins complètement identifiées, à mon avis, le travail reste à faire. Mais tout ça pour dire qu'on peut faire quand même des choses assez, assez intéressantes sur ce couplage, ces générations de H points. Et puis je vais vous montrer un travail extrêmement récent, où là l'idée c'est vraiment d'utiliser l'eau. Donc là il n'y a plus d'hydrure, on ne va pas utiliser un silane, on ne va pas utiliser un NaBH4 ou quoi que ce soit comme source de H points, on va utiliser l'eau. Et donc, et on va faire principalement de l'hydrogénation. Mais l'hydrogénation qui peut être couplée à une processus radicalaire. Donc, le principe est le suivant. On part d'une phosphine. On l'oxyde avec l'iridium 3 photoactivé. J'aurais dû mettre excité. Hein, et on forme ce radical cation sur le phosphore qui réagit de façon... l'eau va réagir comme nucléophile dessus. On déprotonne et on a ce radical ici. Et ce radical est un donneur de H point puissant. Et vous pouvez tout de suite comprendre pourquoi. C'est que quand il donne son H point, il donne évidemment l'oxyde de phosphine correspondant. Et ça, comme vous le savez, la formation d'oxyde de phosphine, c'est une force motrice de pratiquement toute la chimie organique, de la Swern à Mitsunobu, le nombre de réactions, on engendre de l'oxyde de phosphine est énorme, la Corée-Fuchs, ainsi de suite. Donc le H point s'additionne sur l'oléfine, et pour faire une hydrogénation, il nous faut un deuxième H, et dans ce cas-là, il va venir du thiol, d'un thiol, qui lui va former ce radical S point. Le radical S point est réduit par l'iridium 2 en S moins, et le S moins déprotonne ce phosphonium, et donc on réengendre l'IR3 et on a aussi de la phosphine. Donc les conditions sont les suivantes: un peu d'iridium, un thiol, deux équivalents de 5 de phosphine. Alors ça, c'est
peut-être là que le bât blesse et qu'on engendre, on met quand même un excès de phosphine et on engendre ce phosphinoxyde, cet oxyde de phosphine, pardon. Mais malgré tout, on peut faire beaucoup de choses, donc on peut simplement hydrogéner une fois de plus. Pas besoin de palladium, c'est une simple réaction d'hydrogénation. Mais on peut aussi profiter que l'intermédiaire qu'on engendre est un intermédiaire radicalaire, et donc on peut faire des couplages, des cyclisations radicalaires hydrogénantes. On peut déterrer des noyaux aromatiques, parce que globalement, ici, on peut utiliser des deux os, donc ça marche aussi. On a une chimiosélectivité qui est quand même assez impressionnante, parce que là, on touche à la double sans toucher à l'aldéhyde, et ainsi de suite. Donc voilà, donc, des perspectives assez intéressantes. Et d'ailleurs, cette slide, en fait, illustre bien tout ce qu'on a pu montrer dans ce cours, c'est que nouvelle génération d'engendrer des radicaux, qui permettent aussi d'engendrer des nouvelles espèces, et d'avoir des réactivités qui étaient quand même a priori impensables il y a encore quelques années. Et donc, pour conclure sur ce cours, on a vu pas mal de choses, mais même si, j'avoue, je suis un peu frustré parce qu'il y aurait tellement de choses à présenter, donc le nombre d'heures reste limité, et peut-être que le programme, on pourrait refaire une année comme ça, mais l'année prochaine, ça ne sera pas ça. L'année prochaine, on va parler de photochimie, donc je vous remercie de votre attention et de votre fidélité, mais ce n'est pas fini, puisque la semaine prochaine, mercredi prochain, nous avons le symposium du cours avec un nombre d'invités prestigieux importants. Et donc, Michel Coutt, qui est une théoricienne, qui va nous parler de réactivité diradicalaire, entre autres, de la synthèse totale et de la polymérisation, la photocatalyse avec Cyril Olivier, donc Yannick Landais pour la synthèse totale. Yvan Guindon va nous parler de chimie médicinale, Jutta Rieger de polymérisation RAF, Daniel Léonori, on a parlé de ses travaux déjà. Va nous parler beaucoup de photocatalyse, je pense. Et Philippe Renaud aussi est revenu très fréquemment dans le cadre de ce cours et va nous parler de différents aspects pour engendrer des radicaux et des réactions en chaîne et ainsi de suite. Voilà, donc comme je disais, je vous remercie de votre attention et de votre fidélité au cours de ce printemps 2024. Et donc à l'année prochaine.